Choisis la serveuse la plus vilaine. Elle te sert, tu bois, tu bois, tu bois. Quand elle commence à devenir jolie, c'est que tu es rien. Asseyez-vous bien. J'espère qu'on s'occupe de vous. Voilà l'orchestre qui est là. Voilà. Voilà les deux filles qui viennent. Elles travaillent à Move. Hey, c'est le moment des gens qui sont là comme ça. C'est pas, il n'y a pas de travail. Sinon, en temps normal. Chacune est poussée comme ça chez son gars. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous êtes bon. Vous êtes fort. On est que vous faites souffle aussi. Mounko, akotiminanko, moulebe. Mounko, ale akotiminanko, moulebe. Mounko, moulebe, moulebe. Mounko, akotiminanko, moulebe. Quand ils m'ont déployé le micro, ils sont partis. Là. Hier, je jouais moi seul sec ici. Donc, ce qu'il peut faire avec il on peut jouer en même temps. On a qu'à jouer tout ce qu'on peut jouer en même temps. Non. On va jouer en même temps. On joue en même temps. Hein. Ça, c'est. Tu as pris ma monnaie? Tu ris. Oh, merci, tu ris. Les filles, venez, 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 venez. Dosez un peu. Dosez un peu. Dosez, dosez. Voilà, c'est ça. Voilà. Chérie. C'est ça qu'on appelle, elle en a grossi le cœur. Elle en a grossi le cœur. Faites travailler ensemble. Donc, si on doit travailler ensemble, soukoulou. Donc, si je mets les beats façon façon, vous aussi vous me suivez façon façon, hein. Comme on n'a pas répété là, le spectacle s'appelle répétition. Ok. Répétition au grand jardin. Répétition. Les clients, bonsoir. Ça va un peu. La meilleure manière de s'asseoir dans un maquis, c'est de commander. Donc, asseyez-vous bien. Merci beaucoup. Voilà. Je vais mes amis, mon enseigner, c'est Zouglou qui est là. Merci. Depuis l'internat, voilà, Rumba souvent, souvent. Vous le connaissez, non? Vous êtes... Voilà, c'est mon ami. C'est le plus c'est mon ami à l'autre. Ah, tu le connais, oui, non? Oui. Voilà, un jour, on ne sait jamais, vous allez à l'internat, Zouglou Rumba. Un Zouglou Rumba. Yes. De toute façon, vous chantez bien en mélodie, là, c'est comme ça, Zouglou aussi donne conseil. Mm-hmm. Ça, on dit femme, c'est comme chanson d'Arafat. On ne comprend pas, mais on aime. Oui. Maintenant, garçon, c'est comme un album de garagiste. Pour aimer, il faut écouter beaucoup de fois. C'est jamais fait. Voilà. C'est à moi que tu envoies ça? Sorcier. Quand ils voient les rumbatistes comme ça, et les rumba, et les chanteurs de rumba comme ça, j'étais au Congo, à Brazzaville, la semaine passée. En Côte d'Ivoire, vous pensez que vous portez veste? Allez au Congo, et ils prennent veste pour faire sous-corps. Maintenant, ils cherchent ce qu'ils vont mettre en haut. Et puis, où ils sont là? Où ils sont là? C'est à nous, hein. Congolais, ils ne savent pas prononcer, ils ne savent pas dire U. Partout, il y a U, ils vont mettre I. Si vous ne croyez pas, on a qu'à chanter un morceau de Kofi Olomide tout de suite. Inayo, nayo, inik. Tu es ma femme, mais inik. Non, si, ma mamie. Les voilà qui sont là. Si vous ne croyez pas là, mon frère, il faut dire.
faut commencer. T'es congolais, non? Faut dire on s'amuse. Tiens, on voit. Faut dire on s'amuse, viens voir. On s'amuse. Ils vont mettre I tout sur nous, il y a eu. Même pour dire Tunisie, là c'est grave. Tunisie. En tout cas, vous êtes fort, vraiment, vous êtes fort. En musique, vous êtes fort. Est-ce que vous savez, vous venez, c'est Kinshasa ou bien Brazzaville? Kinshasa. 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 Oh, Kinshasa, Kin la Belle. Parce que moi, j'étais au théâtre de la Verdure pour le Touseka. Voilà. Ouais, on se comprend. Faut laisser ceux-là, ils ne savent pas de quoi on parle. Ah, ouais, vieux père, oui, on était ensemble. Voilà, toi, oui, tu es un vieux père bien. Et là-bas au Congo, il y a des. C'est qu'on appelle maquis ici, là. Là-bas, ils appellent ça Nganda. C'est quoi, c'est ça, non? Nganda. Nganda, voilà. On était dans Nganda. Et puis, à faire des sapologies, habillement, là, démonstration. Il y a un qui a soulevé, il a frappé comme ça, et puis il a soulevé la chaussure. Ah, on a vu que la chaussure est belle. Nous, on dit oui, vraiment, c'est une vraie chaussure. Il a porté une vraie chaussure, hein. Nous tous, nous fumons fin. C'est conjugaison. Nous, on nous a tous mis à l'école, mais maintenant qu'il n'y a plus rien à Douas pour qu'il manque. Il a soulevé comme ça, nous fumons fin. Voilà. Et la chaussure était belle. Nous tous, on a dit waouh, le monsieur il connaît. Et à un moment, il a pris une bouteille de champagne, il a commencé à arroser la chaussure. C'est là qu'on a attrapé notre tête, le salaud. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va gâter la chaussure. Et puis il y a un qui est parti lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, c'est pour voir si les crocodiles savent nager. Congolais. À 13h, 48 degrés, il est en sky, blouson. Sueur, toi-même tu transpires à sa place. On lui demande, mon frère, pourquoi tu fais ça? Il dit non, laissez le Seigneur Jésus il a porté les croix, laissez les Congolais porter les vêtements. J'ai dit, allez-y. Un restaurant coupé, décalé, quand tu rentres là-bas, c'est grave. Ça dit serveur même, patron taille basse. Tu vois la serveuse même là, tatouage dans végétu. Tout ça, c'est coupé, décalé. Ça dit, petit, viens là, qu'est-ce que tu sais, ici là, il y a quoi, venu. Tu vas voir le petit serveur DJ, viens quoi. C'est Pérélé. C'est le commandant des serveurs, bah, trois fois couramment dans les assiettes. Il dit petit, il y a quoi? Il dit souffrez des condiments frais de notre menu. Petit, il y a déjà souffert pour avoir l'argent là. Si il doit souffrir pour dépenser, est-ce que c'est bon? Il y a changé de restaurant, il dit mon vieux père, stop! On a du roucascasse de poulet désordonné dans un blocage de riz jaune. Bah, mélodie des choux, des carottes, des comcom, tout ça c'est pour dire kiep. Kiep au poulet. Roucascasse de poulet désordonné. Dans un blocage de riz jaune. Ça, tout ça, c'est kiep, il veut dire. Oui. Non. Tout ça, c'est bon, mais quand tu vas dans un restaurant djihadiste, en Afghanistan, qui a déjà maillé en Afghanistan? Kaboul Kitchen. Quand tu rentres, même, tu es là. Venir. La poser, les chaises pour toi et pour ton madame. Il y a les chaises posées là-bas. Il dit, mon frère, il faut laisser avec les posées, on mange quoi ici? Déjà, là, pour toi, il y a l'explosion de riz, les kamikazes de poulet, attentat de bé. Et puis, un coup, il insulte son serveur. Et puis, c'est Abdoul, viens là, je te parlais, voilà les Américains là-bas, pour lui donner les piégés de lapin. Oh, restaurant, et puis à restaurant. Donc quand je vois le coin comme ça et puis je vois la bonne nourriture, ça me plaît, ça me fait tellement de bien. Oui, continue la mélodie là, ça me fait du bien. Faut t'entraîner, voilà, continue en bas. C'est bien. Voilà, continue sur le point, n'aie pas peur. Ça me fait du bien. Bienvenue au Grand Jardin. Merci à ceux qui sont venus. C'est vrai, on n'est pas beaucoup, mais on pique. C'est important. Et là, moi aussi, de toute façon, il parle là. Donnez-moi quelque chose, il boit. Depuis qu'il parle, moi aussi, vous buvez. Il vous a fait quoi? Sur chaque bouteille d'alcool, il y a le pourcentage d'alcool. Heineken 4,8% d'alcool. Tuborg 6,5% d'alcool. Les vins 23,2% d'alcool. Mais sur Koutoukou, j'ai écrit, etc. Tu vas chez ton gars, avec ta copine. Ton gars, il a chien.
à la maison. Et puis tu vas à ta copine. Et puis chien là, t'as pas sur ta copine. C'est que elle soit elle lui. C'est habitué, ma fille. Sinon, t'as normal, chien va faire mouh. On dit calme-toi, calme-toi. Mais chien là, t'as pas. Pourquoi? Chien là, prenez la tandine, prenez la fille. C'est comme tu rentres dans un hôtel, mets derrière ton gars et puis son portable, wifi la prend. Comment ça va prendre? C'est qu'il était un habitué dans le cône. C'est vrai, hein? Il y a des choses comme ça. Essayez de voir. Hein? Allez au buffet un peu s'il vous plaît, tout à tout, allez au buffet. Allez au buffet. Du coup, un jour, hein, tu m'as touché comme un maudit là, tu es trop derrière. Bon, ouais, c'est vrai, c'est un jugement, c'est un compliment. Mais on est dedans quand même, on va faire comment? Si on vous raconte comment je suis devenu humoriste, vous n'avez pas croire. Avant la main, ils voulaient chanter. Mais quand ils chantent, les gens sont à la maison. J'ai fait ma quête 6 000. 6 000, j'ai donné avance 1 200. À cause de monnaie, là, ma quête avait 3 ans dans la main du mort. Quand il me voit, il me sauve. Quand il le voit, il me sauve. Quand on devait se voir, il me sauve. Un jour, il m'a surpris. Il dit, tiens, il a libéré ma machine, il m'a donné ma quête. Prends, c'est pas grave. Prends, faut rien payer. Je suis venu derrière un maquis, façon vous êtes là. Où la musique donne même. Je suis venu, il y a un manager, le DJ là. Il dit non, il faut jouer le son là. Il dit toi, tu es qui? Il dit non, il chante. Manager, DJ là. Il dit attends, quand c'est la session, ça va finir. Manager, il n'est rien, il pile petit tube. Et puis ça, on dirait à taille. Du nez, il y a un tube, mais il est chaud. La serveuse, elle vient, elle soulève. Elle parle, elle bat, elle soulève. Elle parle, je lui dis à quoi? Et quand il y a un moment, il a mis mon son. Quand il a mis mon morceau, ceux qui dansaient ont commencé à s'asseoir. Ceux qui étaient assis ont commencé à partir à la maison. C'est en ce moment, il veut faire mon entrée à la cour. Il n'est pas mis nous, l'artiste, il n'est pas mis nous. Il dit qu'arrête tes coloris. Arrête tes coloris, il n'est pas mis nous, en t-shirt bleu. L'artiste, le magnifique. Il dit qu'arrête tes coloris. Mais comme les gens sont respectueux et gentils comme vous, ils ne peuvent pas parler. Mais il y a toujours un nous qui va chier. La casquette est fermée comme ça. Et puis, il se met à terre. DJ, qui a fait un bruit là? Il est fonce vers DJ, qui a fait un bruit là? C'est un DJ, le magnifique, l'artiste. Il a un nous dont le nous, il s'oriente vers moi. Quand il vient vers moi, il est creusé même pour rentrer. Et puis, il vient, il me dit, c'est toi qui fais un bruit là. C'est les DJ là, c'est toi-même qui t'attends. Pourquoi tu es maudit comme ça même? Si toi, tu payes une boisson et puis on met ça là, ça va te plaire. Toi, c'est que tu n'aimes pas quand tu fais ça, tu fais ça en tout. Et puis, il est à côté de moi et puis il dit, et il dit, si tu ne chantes pas, moi, je ne paye pas. Et depuis ces jours-là, moi, il a laissé ses dents dans la main, moi, je ne chante plus. Et lui, comme il dit, il vient. Prenez spectacle au village, entrez 2000 kilos de riz. Il t'a trop eu travail, moi, c'est accouti. Non, la fois là, tu es trop dangereux sur le chargeur du village. Des rats. Ils vont tuer. Non, mais il a tué, ouais, varan pour toi, il faut donner à ta grand-mère. Au village, il n'y a pas la haine. Le gars, il te donne, tu t'affoules la vieille qui est là-bas, champignon. Aujourd'hui, les vieux pères, mes amis, on nous donne des 20 000, des 50 000. Si, sérieux? Ouais. Viens, père Aubin. Ça peut aller? On est ensemble, hein, les grandes douleurs sont muettes. Hein? Pour toi, Yuka, il y a écho. Mais on est ensemble. C'est un peu coup de poing de même là. Tu vois, deux mendiants ne mangent pas ensemble. Sinon, l'agent de Saraka risque de créer une là. Si tu es mendiant de Rivera, tu lui donnes 500 et dis, hey, on est tous au quartier ici, 500 peut payer quoi. Tu lui donnes 10 000, arrête-toi et vois si c'est pas faux pied. Quand tu es mendiant, tu as exigence. Oh, vraiment. Donc, soyez ensemble ce soir, les dames. Soyez vigilantes. Je vous envoie ici, on ne sait pas dans quel moment, mais soyez vigilantes aussi. Tu es une femme, tu es ici, tu es dans un foyer. Les parents de ton mari t'aiment, ton mari même ne t'aime pas. Ma chérie, tu n'es pas dans un foyer, tu es dans un centre d'accueil. Il faut sortir. On ne sait jamais. Tu es ici, tu vas chez ton gars. Tu vas chez ton gars. Tu allumes la télé, net, ça va être une novelas. Qui a réalisé avant toi? C'est un bon garçon, c'est la chaîne des sports. Si tu as trop évolué, c'est National Geographic. Il y a une suite de villas facilement comme ça. Tu es une dame, tu es ici aussi, vous êtes marié ou tu as ton mari ici ce soir. Vous êtes assis ici, en train de vous enjaillez. Tu vas à la maison, tu es au salon, tu es en train de regarder la télévision, tu es ta servante. Et puis c'est un film.
où la servante a été trompée, le mari a été le mari du monsieur. Et puis toi aussi, tu restes à ta servante, ça ne te dit rien. Réveille-toi. Quand tu lui parles, t'as dit c'est un film. Eh, le film de 19 ans aussi, ça blague les servantes. Elles font. Ils ont les blagues, elles pensent qu'elles sont dans la famille. Et quand on la renvoie maintenant, elle t'en dit pardon. Oui, c'est un film. Oui, je te parle. Et c'est vrai que nos livres sont venus nous sauver. Nos livres, film à Nango. Film à Nango aussi, donc à nous respecter. Le gars, il met un pantalon, son revenant vient en culotte. À quel moment, lui, c'est chargé. Film à Nango. Ils vont nous tuer là, à Nango. Film à Nango. Alors, la vieux père, le coin est zon. Quand tu invites une fille qui gagne, elle vient là, sa copine. Elle vient sa copine, elle est lancée, elle vient là, c'est vous énerve. Elle dit, mais non, Marielle, mais non, elle dit non. Donc là, Marielle caille. C'est même pas elle qui a invité une vilaine là, chier les gens. Comment vous êtes parti à l'hôtel là, c'est vilaine là qui dit, hein, chien, la gare, rentrez, vous faites le portail. Oh, ça va, t'es sur la bonne voie. Gardons son frère. L'autre aussi court, il crée un bouteille et dès qu'il vient. Et puis il reste loin, il voit la terre où il y a. Il voit joli en jaune et puis il voit bizarre en vert. Il dit mais jaune là, c'est ça que mon truc va. Comme si tu es là, tu le vois. Tu dis mais viens d'abord, viens là. Viens, viens t'expliquer. Ah, garçon, parce qu'on est mauvais en nous. Il dit jaune là, c'est pour qui, ou vert, c'est pour qui. Ah, voilà. Parce que moi, elle aussi, elle vient la vienne, elle regarde, et puis elle parle à sa copine une journée. Elle, si c'est à cause de moi, il a été payé sa campagne, son camarade là. Moi, il n'aime pas les gens, pépé, qu'on est. Il n'aime pas les filles. Mais qui t'es calculé, mec? C'est comme les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, quand il passe sur le terrain là, il ferme les bouches et puis il parle entre eux. Elle dit, moi, tu es au shampoo ici, les gens d'Africa, ils parlent aussi. Ils parlent. Qui t'es tout même, qui t'es rien? Hein? C'est bref comme amour de coq. Si vous voyez quelqu'un qui tue dans le préliminaire, c'est qu'il n'a rien en bas. Pardon, excusez-moi. Sinon, quelqu'un qui a pêché, il veut prouver qu'il n'a rien. Allez, calme-toi. Il réduit le coin. Merci beaucoup. C'est un peu, vous le coin ne vient pas là. C'est un peu, ça, c'est le premier jour. Ainsi de suite, les autres jours, ça, c'est rien. C'est un peu d'un coup, ça va à l'église. C'est un peu bouger derrière lampadaire. Petit à petit, Marion devient inquiéter. On fait les lancements aujourd'hui, un peu, un jour, ça va aller. Beaucoup de travail. Arrête de presser ta tête. Plein de prières est fini. Ta bête fondée, tes unités vont finir. Depuis ta tête, bipé Dieu seulement. Madame, vous qui êtes venue aussi ensemble, en copine, merci beaucoup. Que Dieu garde votre amitié. Ces relations de femmes là, ça ne dure pas, c'est comme un poule. Au début, ça brille fort. Et puis, j'arrive bien fou. Et puis, elle va passer. Elle vend ça, elle donne ça à crédit. Elle vous prend son argent, elle appelle sa copine. Elle va appeler jusqu'à zéro. Si tu es ici aujourd'hui, que ta copine te doit, depuis que tu l'appelles, elle ne décroche pas. Il faut appliquer ce qu'elle te dit ce soir. Tu l'appelles, depuis elle ne décroche pas, elle te doit. Il ne faut plus l'appeler. Il faut lui envoyer un message. Coucou. Je suis à l'hôtel, hein. Mon chéri, je viens voir ton mari sortir avec une fille de dos, j'ai cru que c'était toi. Bisous, et puis tu étais ton portable. Il faut arriver 30 minutes après. Il y a pas 800 appels en absence. 62 SMS. Vous lui dites, mais coucou, ma copine, depuis, j'ai ton agent, tu es où? Dans quel hôtel? Elle connaît. Aïe, toi aussi. Ma fille, c'est ça, hein. Les petits astuces pour attraper, hein. Voilà, soyez vigilante. Une femme qui est dans un foyer, une femme qui est heureuse dans un foyer n'est pas la titulaire. Oui, soyez vigilante. Une femme qui est heureuse dans un foyer n'est pas la titulaire. Une titulaire ne dort jamais en paix. Une titulaire est toujours combattue.
par les appels entrant, les petits du quartier, les WhatsApp nocturnes de son mari, intitulés Veille au grain. Oui. Maintenant, bon, si ton mari ne te visite pas beaucoup la nuit, c'est que tu es titulaire. Mais si tu ne vas beaucoup la nuit, c'est que tu es titulaire. Il n'a plus rien à couvrir à la maison. Les grands défis sont du lot. Après, ça va. Qui t'a mis des pavillons? En fait, je suis venu ici, Lucas, et toi, quoi. Est-ce que tes parents savent que tu fais un truc comme ça? En tout cas, je suis fort. Applaudissez pour lui, c'est vraiment. C'est sa passion, c'est important, c'est bien, hein? C'est bien, c'est bien. Tu sais préparer, tu sais servir, il n'y a pas de femme qui a fait malin sur toi. Voilà. Ah, tu as vu, mon ami, c'est ça, non? J'ai vu les guéris, il y a un proverbe qui dit on ne marie pas une femme parce qu'elle est belle. On marie une femme parce qu'elle s'est préparée. Ah, la beauté passe, mais la fin reste. Oui. Ça, en amour, on dit c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. C'est quoi ça, les femmes se maquillent pour que l'extérieur soit beau. Mais les hommes, nous, on doit manger du maquillage pour qu'on se fasse une beauté intérieure. Par exemple, okay, là, c'est pas bon. Quelqu'un disait, elle est contente. Parce que garçon est infidèle. Surtout garçon qui est bancal. Et quand même, c'est deux pieds, ça ne t'arrive pas. C'est pas être. Comment il y a bancal ici? C'est comment? Oh, vraiment. D'accord. Donc, je voulais vous dire merci beaucoup. Je voulais dire merci à tout le monde. Voilà, ils m'ont bien associé du pain en mousse. La meilleure manière de rester, c'est de partir. Et quand tu pars au moment opportun, tu restes dans le cœur des gens. Les gens me disent d'aller. Et combien de couples le partir maintenant? Fou! S'il avait fait troisième mandat. Hey, hey, hey.